les Masters. Dominique. Estelle. Michel. Et Jean-Claude sont les quatre premiers candidats qualifiés de cette nouvelle série des Masters de questions pour un champion. Présenté par Julien Lepers. Merci. Ah là 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 là, quel beau match, quelle belle compétition. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un très très grand bonsoir. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à ne pas rater ce qu'on appelle les Masters, les meilleurs candidats de ces 3-4 derniers mois que vous allez retrouver. Les visages sont connus. Et on va voir ce qui va se passer. On s'attend à de très très beaux combats, de très grands moments de jeu télévisés. Question pour un champion. 10 jours, c'est parti pour 10 jours. Et avec une finale, je vous donnerai la date dans un moment. Alors d'abord Dominique. Ah, Dominique, je vous écoute. Bien, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour et merci à tous ceux qui m'ont encouragé, soutenu, les gens qui m'ont arrêté dans la rue pour me dire bonjour et qui ont montré de la sympathie et de la chaleur. Je vous remercie tous. Dominique, professeur d'informatique à Nice, Alpes-Maritimes. Estelle, la parole. Bonjour, je fais une maîtrise de lettres classiques à la Sorbonne. Je salue tous mes copains qui forment un fan club formidable et toute ma famille qui est derrière moi. Allez, Estelle. Michel. Je salue tout le petit village de Saint-Pantaléon dans le Lot, d'où j'arrive, les 160 habitants. Plus particulièrement la gardienne de mes chats, le mari de la coiffeuse, ah oui, la coiffeuse, sûr. La fille de la coiffeuse oui. Qui se reconnaîtront. Voilà, bien joué. Jean-Claude. Oui, bonjour, j'ai 42 ans depuis deux jours et je viens de... Non, tout à fait. Hein. Non, je trouve pas non plus, mais bon, je le dis comme ça, les choses sont ouais, juste oui, et claires. Voilà, hein. Voilà, et puis je remercie tous les gens qui m'ont prodigué leur sympathie, leurs encouragements, et même ceux qui m'ont reproché de ne pas leur avoir dit bonjour. Alors, je leur dis bonjour. Et puis voilà. Merci Jean-Claude. Nous jouons ce soir pour une qualification sèche, directe, en finale de ces Masters, finale qui aura lieu le mardi 25 juin, qui arrive. Premier de ce soir ou la première ira directement en finale. Première question, c'est parti pour ces Masters dans une fable de La Fontaine. Quel insecte opposé à la cigale est un symbole... Jean-Claude. La fourmi. La fourmi est un symbole de prévoyance. C'est évidemment la fourmi. Je vous dis tout de suite, bon, enfin inutile de le dire, mais je le redis quand même. Dès que quelqu'un appuiera, j'arrêterai tout de suite la lecture de la question. En janvier 95, quel skieur français remporte la descente du Hahnenkamm à Kitzbühel? Jean-Claude. Luc Alphand. Luc Alphand, très bien joué. En 1976, quel économiste américain, chef de l'école dite de Chicago, Milton Friedman. Oui, Milton Friedman. Bonne réponse. Friedman, qui reçoit le prix Nobel des sciences économiques, bonne réponse. Le 5 juin 1883, quel train international de grand parcours est créé pour relier Paris... L'Orient Express. Oui, Paris à Constantinople. À quel compositeur français doit-on la musique de Laurence d'Arabie et du docteur Jivago de David Lindwick? Maurice Jarre. Très bien, Maurice Jarre, bien joué. Selon la Bible, quel patriarche hébreu, fils de Noé, frère de Sem, Michel. Sem. Non. Dominique. Japhet. Japhet, bien joué. Fils de Noé, frère de Sem et de Cham, est un des ancêtres de l'humanité post-diluvienne, c'est Japhet, bonne réponse. Quel héros légendaire de la mythologie a donné son nom à un complexe analysé par Freud? Oui, Dominique. Édipe. Édipe, bien sûr. En 69, quel astronaute est après Neil Armstrong, le second homme, Dominique? Non, Gagarine. Je... Allez, 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 quel... Estelle. Chrétien. Non, non, Jean-Claude. Aldrin. Aldrin, très bien. Vous trouvez les trois. Alors, nous sommes en 69. Un astronaute qui est après Neil Armstrong, le second homme. Second homme a posé le pied sur la Lune. Armstrong, ensuite Aldrin en deuxième.
En fait, il n'y en a eu que deux parce que l'autre est resté dans la capsule, je crois. C'était Noël, je crois. Il me semble, hein. Enfin, on va sans doute, je vais poser la question à mon équipe qui va sans doute m'aider. Oui, on précise que oui, hein. Aldrine, Edwin, Eugène, Aldrine, très bonne réponse. En 1979, quelle romancière canadienne d'expression française, Michel ? Oula. Reçoit, oui, Dominique. Jeanne Bourin. Ah non, le prix Goncourt pour son roman intitulé Pélagie la charrette. Pélagie, Antonine Maillet. Près de quelle ville du Brésil se trouve le circuit automobile d'Interlagos ? Interlagos, Bestel. Rio de Janeiro. Non, Bestel. Oui, Michel. Sao Paulo. Sao Paulo, Michel. Le nom de ce poisson, le poisson qui est appelé civelle lorsqu'il pénètre dans les estuaires, Michel. L'anguille. Oui, pour remonter les fleuves. Anguille, d'accord. Attention, tout le monde joue bien, tout le monde est fort. À quel compositeur et pianiste tchèque doit-on l'opéra les... Dominique. Dvorak. Non, le Brandebourgeois, Estelle. Smetana. Oui, Smetana, Bedrich. Smetana, oh là là. Et c'est Estelle, messieurs. Estelle qui prend la tête de course pour le moment. Les Brandebourgeois donc, les Brandebourgeois en Bohème, 1866, Smetana. En économie, dans les échanges entre deux pays, comment appelle-t-on le solde des exportations et des importations de marchandises, Jean-Claude ? La balance ? La balance des paiements ? Non, Estelle. La balance commerciale ? Oui, Estelle. Vous dites la balance des paiements. Le juge m'affiche une lumière orange, qui signifie pour moi compléter, le candidat doit compléter sa réponse. Vous ne la complétez pas, vous dites bon, en fait, la bonne réponse, c'est la balance commerciale. Vous avez sans doute aidé, d'ailleurs. Estelle, vous l'auriez su J'aurais su, je pense, oui. Question, quel est le nom traditionnel de la Grande-Bretagne depuis Ptolémée ? Oui, là-bas. Le Royaume-Uni. Estelle. Albion. Albion, c'est gagné. Alors là, messieurs, bravo. Estelle vous bat. Quel est le nom traditionnel de la Grande-Bretagne depuis Ptolémée ? Albion, la perfide. Oui. Albion. Bien sûr. En 1918, plus que trois candidats. Donc, messieurs, nous sommes entre nous maintenant. En 1918, quel peintre italien réalise le tableau intitulé Jeanne et Buterne, accoudé à une chaise. Je vous écoute, Jean-Claude. Picasso ? Non. Michel. Modigliani. Modigliani. Amedeo Modigliani. Très bien. Je voudrais qu'on fasse un point des scores, savoir où vous en êtes. Dominique est en tête, 6, Michel 5, Jean-Claude 5, en 1670. À quel compositeur doit-on la musique de la comédie ballet de Molière, le bourgeois... Je le lis. Oui, le bourgeois gentilhomme. Jean-Baptiste Lully. En 1896, quel physicien français découvre la radioactivité ? Là-bas, Jean-Mic. Becquerel. Becquerel, oui, bonne réponse. Henri Becquerel. C'est un jeu tendu, hein. Un jeu difficile, il faut absolument prendre les points et il faut se battre. Qui est le saint patron des alpinistes ? Oui, Dominique ? Georges. Non. C'est ça, oui. Bon. Michel. Luc. Non, c'est pas Luc non plus, ben dis donc. Jean-Claude ? Saint-Pierre. Saint-Pierre, oui, c'est ça. Oui. Qui est le saint patron des alpinistes ? Je ne sais pas, quelqu'un le sait-il ? C'est Saint Bernard de Menton. Ah bah saint Bernard de Menton, le saint patron des alpinistes. Est-ce que quelqu'un a déjà fait l'ascension du Mont Blanc, là, parmi vous ? Jean-Claude, Michel, Dominic ? Ça, c'est mon rêve, j'ai envie de le faire cet été, j'aimerais bien, est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas. Oui, il y a des gens qui le font. Hein. Oui, bah, ça me paraît pas très compliqué. Nouvelle question, allez, on est dans le jeu. Chez les Indiens d'Amérique du Nord, comment appelle-t-on la femme mariée ? Oui ! Squaw. Et c'est gagné, la squaw ! Michel est à combien ? 8. Jean-Claude est en retard, 5. 8, 5. Question maintenant. Comment appelle-t-on un aérodrome aménagé en montagne ? Michel. Un alp... Jean-Claude. Un altiport. Altiport, bonne réponse. Là, si vous commencez, vous dites alt, alti, ça peut aider le concurrent, évidemment. Vous l'auriez su, tout à fait. Altiport, bonne réponse. 8-8, messieurs, égalité absolue. Question capitale.
dans un triangle, comment nomme-t-on chacune des droites partant de chaque sommet perpendiculaire au côté opposé, Jean-Claude ? La médiatrice ? Non. Réponse. Les hauteurs. Michel. Michel ? Les hauteurs. Les hauteurs, et c'est gagné. Ah ouais, ouais, faut le faire. Bravo, Jean-Claude. Bravo. Allez Jean-Claude, on oublie tout, vous êtes informaticien à La Poste, Saint-Sébastien sur Loire. Dans le département de Loire-Atlantique. De la Loire-Atlantique, un petit coucou, ça y est, on a, on a dit bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Un gros bisou particulier à Jérôme, Julien et Maëva qui se reconnaîtront. Et puis je suis très content d'être venu jusque-là et d'avoir joué avec vous. Et vous avez été un candidat très sympa, je vous le dis Jean-Claude, maintenant que tout est terminé. Alors un beau cadeau pour vous, Jean-Claude. Jean-Claude, merci. Larousse vous offre la chanson française pour tout savoir sur les plus beaux et les plus célèbres airs du répertoire français ainsi que le dictionnaire de la musique.